Voici une autre manière de cuisiner le rab de lapin. Je vais d'abord désosser l'ensemble du rab de lapin pour retirer l'os, mais en gardant sa forme. Découpez soigneusement les petits filets, puis avec la pointe du couteau, passez sous les premiers os. Exécutez la même opération de l'autre côté. La colonne vertébrale est en partie dégagée, maintenant je vais retirer l'autre partie de la colonne vertébrale en glissant maintenant le couteau près de la peau. Maintenant, avec les mains, retirez soigneusement l'ensemble de l'os et vous avez maintenant le rable de lapin complètement désossé. Sur une feuille d'aluminium, disposez quelques pluches d'herbes fraîches, persil et estragon. Assaisonnez le lapin de fleurs de sel et de poivre du moulin, puis roulez le rable sur lui-même pour le reconstituer. Arrosez d'un filet d'huile d'olive l'ensemble des herbes. Posez le lapin et roulez l'aluminium comme une ballotine. Dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive, faire colorer l'ensemble du rab de lapin sur toutes ses faces pendant 5 à 6 minutes à feu fort. Pour les endives, retirez les premières feuilles abîmées, puis coupez le cœur et effeuillez l'ensemble de l'endive. J'ai préchauffé le four à 230 degrés, thermostat 8. Je couvre la cocotte et je continue la cuisson du rable de lapin au four. Dans une grande poêle ou un wok show, disposez un filet d'huile d'olive et faire revenir les endives quelques minutes pour les garder croquantes, assaisonner de sel et poivre et mélanger rapidement. Notre lapin est cuit, je retire maintenant l'ensemble de l'aluminium. Puis je le coupe en fines tranches, comme une ballotine. Déposez soigneusement les feuilles d'endives cuites dans une assiette, puis dressez la ballotine juste devant, et terminez avec quelques feuilles d'estragon. Et voici notre ballotine de rable de lapin à l'estragon et croquant d'endives.